En fait, on va parler d'un mot qui est assez sympa, c'est le mot admiration. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, admiration? Ouais. Renonce à l'infernal dilemme du camp de la mort ou celui de la haine. Je crie ton nom, Siri, poumon de mes 20 premières années. Aujourd'hui, cimetière de mes larmes ignorées. Redeviens havre de paix, célébré par le rythme de tes joyeuses tapquées. Reviens, oh ma chérie, mon amour, ma deuxième patrie, mon poème, mon aimé, toi que j'aime au péril de ma vie. Oh Siri, toi et tes soi-disant défenseurs, tant qu'à faire, rapportez-nous alors des rivages de Gaza, une orange, un coquillage. Rendez-nous les rires volés de Hamza, les yeux de Majnou, laissez le poème pour Leïla, la cardamome brune du noir. Afin de parfumer nos cœurs en désarroi, rendez-nous l'amour et la foi d'Ibn Arabi, les contes du Mesnevi, la blancheur de la lune et les effluves du jasmin anéanti. Car je respire une poussière de sang, n'entends que les sanglots du lutte et des enfants s'enfuir entre les corps pourrissants. Je n'ai plus de passeport, mon identité est violée, consumée sous le feu glacial des anciens, attendant que la colombe puisse s'envoler. Est-ce le voleur d'en face qui n'a jamais montré sa face? Est-ce mon chat Pacha qui passait par là? Qui veut passer? Mister Crystal est dans la place. Pollution. Dans un froid polaire, instinct d'hiver, je respire un air. Mais cet air est pollué, elle sent la chair et la guerre. Survivre est mon seul objectif. Dans ce lit, dans ce grand livre, ivre, j'écris. Je ris, je crie, je prie. Je rime en poésie pour rendre ce monde illisible meilleur. Là,